Non! Ça suffit. Je plie l'argent à Judéo. Cécilia, lève-toi pour que tu prennes tes médicaments, s'il te plaît. Maman, non. Tu dois bien prendre ceci. Si tu savais jusqu'où je suis allée, tu allais déjà prendre ce médicament. Je t'en supplie. Maman, je suis fatiguée de prendre ces médicaments. Mais tu ne peux pas commencer comme ça. Maman, non? Bonsoir. Non, tu es revenue. Priscilla. Bienvenue. Tu es le bienvenu. Oui, maman. Elle ne se sent pas bien. Elle a fait la diarrhée depuis le matin. Je crois que c'est les gris qu'on a mangé qu'elle-même a préparé qui lui a fait des retours. Hey, mon Dieu! Et elle refuse de prendre le médicament. Écoute, désolé, ok? Tout ira mieux. Maman? Oui? Maman? S'il te plaît, essaye de la convaincre de prendre ses médicaments. Oui, elle va les prendre, maman. Maman, j'ai pu trouver Desanera aujourd'hui. Desanera? Oui, maman, Desanera. Tiens, ceci, si tu peux, oui, hein, fais quelque chose avec. Maman, essaie quand même de faire quelque chose avec. Je sais que ça pourrait aider. Je dois prendre Desanera. Pour faire quelque chose avec. Oui, maman. Il n'y avait pas grand-chose aujourd'hui au marché. C'est Desanera que tu m'as donné au... Je sais, maman. Je sais. Donc, je dois aller au marché avec le Desanera que tu m'as donné. Oui, maman. S'il te plaît, essaie juste de faire avec, s'il te plaît. Je vais gérer avec le Desanera. D'accord, merci, maman. Je les garde. Essaie de faire un effort. J'irai au marché après. S'il te plaît, maman, s'il te plaît. La vérité est que je vais encore acheter du gras avec cet argent. C'est pas un problème. Tu me donnes Desanera. Priscilla, ne t'inquiète pas, bientôt tout ira mieux, d'accord? Je suis vraiment dérangée que tu n'arrives pas. Je pense que tu ne vas rien m'ajouter au... Non, non! Ah, maman! Priscilla. Né. Maman? Tu t'es réveillée? Oui. Bonjour. Maman? Où vas-tu juste comme ça? Je vais à la ferme de Mazebuka. Ha! Mazebuka. En tout cas, je ne te dis pas d'y aller. Oh. Cet homme est un vrai fou. Je ne peux pas t'empêcher de partir. Tout ce que je peux dire est que... Sois sûr qu'il ne te fasse rien. Oh? Oui, d'accord, maman. Fils, sois prudent. Oui, maman. Je serai très prudent. Priscilla, aujourd'hui, je te vois en forme. Oui, je remercie Dieu et toi, mon frère. Tu n'as pas à me remercier. À Dieu toute la gloire. Maman, je dois maintenant courir. C'est bon, oh. D'accord. Bon, allez. Priscilla, dépêche-toi. Mm-hmm. D'accord, maman. Nous partons chez maman. Tu ne dois voir s'il y aura un travail à faire. Je te vois très bonne santé aujourd'hui. Mais tu dois manger. Maman, s'il te plaît, j'ai très faim, oh. Moi aussi, j'ai faim. Fais vite, allons-y. Dépêche-toi, on n'a plus assez de temps. On doit aller. C'est bon, je crois que nous devons aller. Arrête de balayer, tu viendras le faire quand on sera de retour. Que je laisse ça? Oui, oui, oui. Arrête, s'il te plaît. Dépose-les là-bas. Tu viendras le faire dès qu'on sera de retour.
Tu appelles ça propre? Ah ah. Maman Fred? Ces habits sales? N'est-ce pas que je vais te payer? Mais madame, les habits sont très propres. On l'a bien lavé. Tu veux dire que je suis aveugle? Hein? Donc je ne sais pas voir correctement? Tu as intérêt à bien laver ces habits, sinon je ne te payerai pas. Ah ah. Mais madame, en fait, ce que vous faites là n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bien. C'est bon, Ney, calme-toi. Oh, c'est bon. Elle a dit qu'elle était une aveugle, alors elle ne peut pas bien voir les habits. C'est pas grave, madame. On recommence à le faire. On va les laver. Tu as intérêt parce que je ne cueille pas l'argent sur un arbre. Ok. Ney, assieds-toi. Laisse-moi passer. Et alors, comme vous pouvez voir, ces habits sont tellement sales. Hein? Et je te les donne pour le nettoyage, ok? Regardez mes ongles, regardez-les bien. Mais qu'est-ce que tu veux essayer de faire? Regardez-moi cet imbécile. Allez, quitte-la. Laisse-la, elle sait réparer ses ongles. Oh, laisse-la, elle a réparé ses ongles. C'est une paresseuse, elle sait rien faire, calme-toi. Oh, maman, j'aime pas comment il nous traite. Je n'aime pas ça. Je n'apprécie pas du tout, maman. Du calme. J'ai toujours eu à enseigner à ton frère une chose. Hein? Peu importe la situation que tu rencontres dans tout ce que tu fais. De toujours remercier Dieu. C'est-à-dire que nous devons rendre grâce à Dieu. Tu l'as dit. Allons-y terminer ce qu'on avait déjà commencé. Je refuse de nettoyer ces vêtements, maman. Je n'en peux plus. Hein? J'en ai marre. Et même avec ces sous-vêtements? Ça sent mauvais. Chai. Maman, on doit le séparer pour bien nettoyer. Hey, ce n'est pas juste. Va vite puiser de l'eau. C'est quoi ça? Hein? Madame. Madame, vous êtes là. Depuis qu'on vous attendait. Depuis. Oh, donc parce que vous avez lavé mes habits, donc je n'ai plus le droit de sortir, c'est ça? Ce n'est pas ça. Je ne dois pas sortir, n'est-ce pas? Personne t'a dit cela. Ne sois pas énervée. Alors, c'est combien? C'est ce quoi? Maman, attends. Laisse-moi voir si c'est propre. Je vais voir si on a nettoyé ou pas. Vérifier. Ah. Oh, wow, ils ont essayé quand même. Oui, ils ont essayé. Ils ont essayé. Ils ont essayé. Je vous donnerai 500 naira. Prends. 5 quoi? Allez, prends. 5. Mais madame, on ne s'était pas entendu. Ah si. Madame, s'il vous plaît, un accord, c'était un accord. S'il vous plaît. Excuse-moi, tu cries sur ma maman? Hein? Tu cries sur ma maman, c'est ton notre argent. Je n'ai pas fait ça. Fais-tu que j'abîme ton visage c'est maintenant? Ça, tu l'avais? Hein? C'est bon, d'accord. Lève-toi, allons-y. Maman, c'est pas juste, Laisse-les. Non, pas du tout. Ne te dérange pas. C'est bon, ma fille. Laisse-les partir. N'importe quoi. Après avoir lavé les habits des fois, avec tous ces habits, 500 naira. Allons-y, Dieu est en train de tout voir. Oui, Dieu est en train de tout voir. Au moins, on a 500 naira, on peut manger quelque chose ce soir. Ça sera suffisant pour nous deux, on peut gérer. Hmm? Oui, bien. Là, je pense que je mangerai très bien ce soir. Oh oui, on va très bien manger ce soir, ne sois pas inquiète pour ça. 500 naira, c'est beaucoup d'argent. Passe-moi le billet. Madame Yam. Tu n'as que 500 naira. Ça veut dire que tu dois me rajouter un autre 500 naira. S'il te plaît, Madame Ya, donne-moi le temps. Je te rembourserai ton argent, s'il te plaît. Je te laisse jusque demain matin. Tu dois me donner mon argent. Sinon, ce village ne va pas nous contenir toutes les deux. Tu n'importe quoi. Tu crois que lâche-moi. Je crois que je suis en train de blaguer avec toi. Hey! Maman! Maman, qu'est-ce qu'on va manger cette c'est nuit? Bon, arrête. Tout ira bien. Ok, on trouvera toujours quelque chose à manger. D'ailleurs,
Je suis sûre que ton frère reviendra avec un peu d'argent. Oh, on mangera quelque chose. Je suis fatiguée de cette souffrance. Je n'en peux plus. Dans toutes les situations. Ben, toujours remercier le Seigneur. Bien. Praise God, hallelujah. Maman, bon après-midi. Bon après-midi. Vous allez bien, maman? Oui, j'ai été au courant. Je vais bien. Comment ça va? Bien. Vraiment, comment va ton grand frère? Oh, il était sorti, il n'est pas encore retourné. S'il revient à la maison, dis-lui que je le cherche. Oui, je le ferai. Ok. Maman, je rentrerai. Ok. On se voit demain. Pas de problème. Ok, maman. Moi, hein? Zier, au revoir. Bye. Bonsoir, mais, maman. Tu es le bienvenu. Oui, maman. Tu es revenu. Priscilla, pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Grand frère, qu'est-ce qui t'avait retenu? J'étais allée au champ. J'ai très faim, c'est toi qu'on attendait. Pourquoi est-ce que vous m'attendez, non? Parce que nous avons faim. L'argent qu'on a fait aujourd'hui a été pris sur Madame Biam. Hey, mon Dieu. Et je ne suis revenu ici avec rien. Hein? Mazé Bouka a refusé de me payer parce que je n'ai pas été en mesure de finir le boulot. Qu'allons-nous faire maintenant? Grand frère, es-tu en train de dire qu'on ne mangera rien aujourd'hui? Je n'ai aucun rond sur moi. C'est quel genre de famille maudite comme ça? Vas-y doucement, non? Rien de ce qu'on fait marche. Hein? Tout ce que nous trouvons, les gens les prennent toujours. Essaye de te calmer d'abord. Laisse-moi tranquille. On ne sait même pas avoir 3000 par jour. Nous vivons que pour la bouche. J'en ai marre de tout ça. Il serait mieux que je meure au lieu de vivre cette vie. Non, Priscilla, Priscilla. Je vais mourir. Hein? Hey, mon Dieu, mais c'est quoi ça? Je veux me jeter un peu de me rafraîchir.
et ta sœur sont en train de souffrir là-bas. Hein? Pendant que tu es ici en train de t'occuper du champ d'une autre personne. Maman est en train de ramasser du sable. Il ne le fait pas. Hey, tu n'as vraiment pas honte de toi-même. Tu es vraiment honte. Comment tu peux laisser cette pauvre femme dans cette souffrance? Hey, mon Dieu. Tu n'as vraiment pas froid aux yeux. C'est de ta génération qui font de l'argent. Vu toi, tu es ici en train d'élaborer les champs. Je ne suis pas sûre que tu n'auras ne serait-ce qu'un centime dans ce travail que tu fais. Chai. Oh, maman. Maman, pourquoi non? Maman? Maman? Priscilla? Maman? Priscilla? Où sont-elles parties? Maman? Inné. Oh, maman, maman. Hein? Maman, je t'avais dit de ne pas faire ce boulot-là de porter du sable. Hein? Ce boulot est si dur pour toi et Priscilla. Oui, grand frère, je sais que ce n'est pas bien. Et rester aussi enfamée toute la journée, ce n'est pas aussi très bien. Inné, s'il te plaît, ne sois pas fâchée. On était juste allé travailler et voir si on peut récolter un peu d'argent pour acheter la nourriture. Oh, maman, est-ce que j'ai dit que je ne peux pas prendre soin de toi, Priscilla? Laissez-moi ça, non? Je peux le faire. C'est bien, non? Donne-nous l'argent. On a faim. Je n'ai que 200 nerfs, rassure-moi. Essaie juste de faire avec. Prenez, permettez-moi. Je dois rentrer pour finir ces boulots afin qu'on me paye. Maman, est-ce que tu vois ton fils? Hein? Il n'est venu qu'avec 200 naira. Mais il est là en train de se plaindre. Hein? Pour un travail qui nous donnait même 5000 naira, il ne fait que parler inutilement. Mais on va quand même me payer là-bas. Je ne veux pas que vous alliez travailler. Mais donne-moi cet argent. Ça va, c'est bon. Va à l'intérieur et repose-toi. Maman, je dois maintenant partir afin que j'arrive à finir ce boulot. Maman, arrêtez ces boulots-là. Je n'aime pas ça. C'est tout ce qu'il a pu trouver. Je sais que tu en as besoin, mais va d'abord à l'intérieur. Mais maman, qu'est-ce que tu regardes comme ça? Maman? Pourquoi pleures-tu? Je ne pleure pas, il y a juste quelque chose qui me trouble un peu. Je voulais te dire quelque chose, mais j'avais oublié. Quoi? Je l'ai oublié. Va à l'intérieur, je t'en prie. Laisse-moi un peu réfléchir. Je vais aller au marché et voir ce que je peux faire avec cet argent. Je vais acheter des légumes. Des 500 naira. Et je vais acheter du poisson, même un peu là, un peu du poisson de 200 naira. Je vais acheter un hockey, j'irai là où ils vendent la nourriture pour les chiens. J'irai prendre la nourriture qu'ils gardent pour le chien. Je vais la porter avec moi pour qu'on essaye de manger. J'achèterai tout ce que je verrai. Je n'ai pas d'autre choix. Écoute, viens,
Viens, viens. Mazi. Oui. Mazi. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai fait de mon mieux. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai nettoyé la ferme. As-tu nettoyé la ferme? Depuis que je t'ai donné de l'argent, tu nettoies la ferme. Oui, est-ce que je ne le fais pas bien? Peu importe. Mais comment est-ce que tu travailles? C'est tout ce que tu fais? Tous ces petits habitants du village disent qu'ils ne te voient pas travailler. Mazidouka, je vous demande. Bro. T'es le père et t'es le fils. Mais j'avais dit à ton père de me suivre, n'est-ce pas? Je lui avais dit cela. Et Mazé, s'il vous plaît, laissez mon père en dehors de tout ça, s'il vous plaît. Et comme vous pouvez le remarquer, j'ai déjà tout nettoyé, s'il vous plaît. Peu importe. Je te donne de l'argent, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous dites? Oui. C'est oui, ça? Oui. Alors, mon reste. C'est fini. Viens prendre de l'argent à la maison. Mais Mazé, s'il vous plaît, je n'ai aucun rang sur moi. Il n'y a rien pour qu'on puisse préparer à la maison, s'il vous plaît. Dis à ta mère qu'on se croise à la maison. Hein? Dis-le comme je t'ai dit. Mazé. Mazé quoi? C'est à moi que vous avez remis du travail, donc je viendrai vous voir moi-même. C'est quoi ça? Appelle ta mère. Mais dites-moi, non, quand vais-je avoir cet argent, Mazé? Hein? Viens d'abord ton travail. On verra ça après. Viens d'abord ton travail. J'ai dit, on verra ça après. À plus tard. Mon ami, je suis toujours en train de m'étonner de ce que je vis dernièrement. Tu sais, dans cette ville, ils disent qu'il y a trop de lumière dans cette ville. Tu te souviens de Cassie? Hey! Cassie est revenue avec de bonnes choses. Tu aurais dû voir ce qu'il est revenu avec. Des beaux habits hauts, des beaux chaussures. Et elle faisait même du genre être boss. J'étais en train d'essayer de... Ma belle, Priscilla, tu n'as pas dit un seul mot depuis qu'on est là. Est-ce que tu es en train de pleurer? Ah, Priscilla, je te comprends. C'est à propos de ta famille. Oh, ne t'inquiète pas. Arrête de pleurer, mon ami. Tout ira bien. En tout cas, tout ira bien. J'ai une grande conviction que les choses reviendront à la normale. Hein? Arrête de te faire du mal. Arrête de te tourmenter comme ça. Tout ira bien, je te l'ai dit. Attrapez-moi ces voleurs! Voleur en haut! Attrapez-le! Attrapez-le! Mais qu'est-ce que je fais? Il m'a tout pris! Qu'est-ce que je fais? Oui! Voleur! 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 Mais je crois qu'il s'est prêt. Va me prendre un peu, je t'en supplie. D'accord, maman. Dépêche-toi, fais vite. Maman, combien? Donne-moi des noms, tu sais à combien j'ai faim. Maman, c'est bon. Tu peux manger. Moi, je n'ai pas envie de manger. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'appelle en ce moment. Ok. Laisse-moi le manger tranquillement. Hey. C'est vraiment délicieux. Maman, c'est très chaud, non? Attends, hey. Ne, qu'est-ce qui s'est passé? Maman, qui est-ce qui a fait ça? Maman, c'est un cas de confusion d'identité. Quelle identité qu'ils ont confondue? Et en te frappant comme ça?
Maman, Somme a volé la trousse du dame et est venue la déposer dans ma brouette. Et ces gars du marché m'ont frappé jusqu'à ses poings. Et mon corps... Rien ne marcherait avec les gens qui ont frappé mon fils. Amen. Dieu va le punir. Qu'il a foutu sa batte sur eux. Amen. Tu peux l'imaginer? Mon fils. Mon fils, ça va. Maman, je suis fatigué. Confondre l'identité. Et c'est toi qu'ils ont seulement vu. Ok, nous croyons. Attention, attention. Hey, fais attention. Mon Dieu. Hey. Princilia. Grand frère. Grand frère. Comment vas-tu? Où est-ce que tu vas? Je vais au champ. Au champ faire quoi? Sais-tu que tu es toujours malade? Je m'en fiche. Écoute, je dois aller finir le boulot que j'avais commencé hier. Maman? Mais pourquoi est-ce que tu appelles maman? Maman, oh! Oui, j'arrive. Arrête un peu ça. Qu'est-ce qu'il y a? Que fais-tu ici? Tu devrais être en train de te reposer. Et laisse-moi te poser une question. Où est-ce que tu vas? Maman, je dois aller travailler pour que j'amène la nourriture à la maison. Qu'est-ce travailler que je fais demain? Travailler au Guinée. Ce n'est pas en étant mort que tu vas faire l'argent. C'est quoi ton problème? Regarde-toi, tu n'es même pas fort. Au lieu de rester à la maison, te reposer et te voilà sortir. Maman, permets-moi d'aller travailler. Tu n'iras nulle part, oh. Tu n'iras nulle part. Écoute. Maman, je dois prendre soin de toi et de Priscilla, non, maman? Dieu, c'est bien évident que tu veux me tuer. Tu veux accomplir ta mission? Maman, vas-y, je ne veux pas te tuer. Non, vas-y, tue-moi, non? Non, maman. Vas-y, tue-moi, accomplis ta mission. Vas-y, maman. Non? C'est quoi ça? Maman, arrête de pleurer. Arrête de pleurer, maman. Ok, d'accord. Je ne veux plus partir. Non, permets-moi de pleurer. Non, arrête laisse-moi de pleurer. Laisse-moi pleurer, non? C'est comme si je ne prends pas soin de mes enfants. Maman, s'il te plaît, ne pleure pas, maman. C'est ce que tu essaies de dire. C'est comme si je ne prends pas bien soin de vous. Tu veux seulement sortir avec ce que maman, tu as dans ta tête. Ok, d'accord, maman. Je ne veux plus partir. S'il te plaît, arrête de pleurer, non? Mets-toi. Je suis censée prendre soin de vous, mes enfants. C'est mon devoir en tant qu'une mère de prendre soin de mes enfants. Maman, s'il te plaît, non, ne fais pas ça. Arrête de pleurer. Je n'irai plus. S'il te plaît, maman, arrête de pleurer. C'est bon, maman. C'est bon. Maman, s'il te plaît, mets-toi. Maman, mets-toi, non, s'il te plaît. S'il te plaît, arrête de pleurer. Je suis venue te rendre visite. Esther, bienvenue. Te voir ce matin à la maison, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Bien, je suis venue demander pour... il y a un problème, je suis venue vous demander quelque chose, s'il vous plaît. De quoi s'agit-il? J'espère qu'il ne s'agit pas d'argent. Bien évidemment, ça concerne l'argent. Si je te dis que mes enfants et moi, nous souffrons beaucoup, je crois que tu me comprends bien. Naïn, Mazé, tout va mal. On a des difficultés. Mon fils ne se sent pas très bien. Je veux l'argent pour son traitement et aussi pour la nourriture. Nous devons aussi manger. On ne peut pas soigner ce genre de blessures sans nourrir cette personne. Je ne sais plus quoi faire. Voilà pourquoi je me suis décidée de venir vers vous. Esther, arrête de pleurer. Tu sais, des belles femmes comme toi ne peuvent pas pleurer et n'ont même pas besoin de pleurer. Je vais t'aider. Tu les feras? Bien sûr. Hey, que Dieu te bénisse. Esther, que Dieu te bénisse aussi. Oui, et d'ailleurs, qu'il nous bénisse tous. Et bon, comme je l'ai dit tantôt, je vais t'aider. Oui, je vais t'aider. À une condition. Une condition? Oui, je vais t'aider. Esther, tu sais... J'ai juste besoin de ton aide. Si tu... Esther, si toi et moi pouvons nous mettre ensemble de manière
romantique, oui. Et toi et tes enfants ne manqueraient absolument de rien. Attends. Mazi, mm-hmm. Est-ce que tu réalises que tu es le petit frère de mon défunt mari? Mm-hmm. Mais tu es en train de parler de quoi déjà? Comment peux-tu dire cela? Pourquoi tu es si méchant? Yeah. Hein? Yeah. Hmm. Esta. Mm-hmm. Oui, tu as raison d'avoir dit que je suis le frère de ton défunt mari. Et je suis d'accord. Et quoi d'autre? La vérité, c'est que ce monde n'est pas facile. Ce monde est très méchant. Hein? Comme je l'ai dit tantôt, tu sais, mon grand frère, hein? A pris une très bonne viande pour mettre chez lui à la maison. Et comme je t'ai dit tantôt, si toi et moi, on peut aller ensemble, comme je l'ai dit... Es-tu juste la fermer? Et tu continues toujours à me dire toutes ces bêtises? Est-ce que tu réalises à combien tu m'insultes? Hein? Tu n'as même pas honte de tout ce que tu dis. Et alors, qu'est-ce que ça change là? Allez, ferme-moi cette bouche. Non, mais dis-moi, qu'est-ce que ça change là? Et tu continues encore à me parler de toutes ces bêtises. Je ne peux plus rester là. N'importe quoi. Bon, d'accord. Si vraiment c'est ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu me diras si... Oh, parce que tu ne te regardes pas. Ok, et c'est bien. On verra comment est-ce que tu vas t'en sortir. Et si cette pauvreté ne va pas te tuer, toi et tes enfants, les insensés. Si, mon ami... Ma chérie, comment vas-tu? Je veux bien. Et toi, comment vas-tu? Ah bon, tu fais la lessive? Non, je ne lessive pas. Je suis en train de trier le haricot. Tu ne vois pas la chose que je trie les haricots? Alors, comment je peux me répondre ne ici? Ne blague pas avec moi. Je voulais, bébé, je veux que tu m'accompagnes quelque part. Où ça? Tu t'en souviens de Copa Uche? Copa Uche? Oh oui, je me rappelle de lui. Uche est de retour. Il est là. Et tu sais? Oui. Comment le sais-tu? Ah, tu ne me crois plus. Je suis devenue une autre personne. Ah, allons-y d'abord le voir. Il a un cadeau pour nous aider. Comment le sais-tu? Ma chérie, allons-y d'abord. Je suis occupée, non? Je ne t'aurai pas. Alors, prochainement, je pourrai aller avec toi. Aujourd'hui, non. Non. Prochainement, ça ne va pas marcher. Qu'on le fasse aujourd'hui. Fais les nettoyages et je vais rincer pour toi. T'inquiète. Pourquoi ne pas aller prochainement, non? Non, pas prochainement, oh! Je ne vais pas les rater. Faisons un peu. Travaillons non, ensemble. Regarde pas ça. Non, tu vois, c'est mon récit, je vais nettoyer. Ah, non, d'accord, pas de problème. Oh, grand frère. Comment vas-tu? J'ai entendu dire que tu pars au champ, non? C'est où je vais maintenant? Pourquoi tu emmènes la piège? Oh, tu veux dire les attrapes? Je vais d'abord les installer, puis je vais faire le boulot champêtre. Oui. Je souhaite pour toi que tu attrapes. Bien sûr, par la grâce de Dieu. Et moi aussi. Oh, tu veux aussi du vin? D'accord, pas de problème, par la grâce de Dieu. Vous devez très bien prendre soin de vous. Ok. D'accord, prenez bien soin de vous. N'oublie pas pour moi. D'accord, pas de problème. Je vais te jeter cette eau sur ton visage. Pourquoi tu regardes mon frère de la sorte? C'est parce qu'il est un homme, oui. Hein? Parce que c'est un beau garçon. Es-tu sûre? Alors, ce n'est pas ça. Si vous savez que tu le regardes ainsi. Hein? Quoi? Arrête de me regarder comme ça. Je ne vais pas de lui. Il n'a pas l'argent. Il n'a rien qu'un billet de banque. Hein? Donc, c'est toi qui as l'argent, non? Je n'en ai pas. Même toi, tu n'en as pas. Tu n'as pas l'argent. Écoute, même si on était des riches avec beaucoup d'argent, mon frère ne peut aimer une fille comme toi. Sais-tu pourquoi? Parce que tu es une lâche. Qui peut tomber sur tes charmes? Tu ne sais que aimer l'argent, quoi. Écoute, l'amour est réel lorsqu'il n'y a pas d'argent. M'as-tu entendu? Faisons la lessive, pardon. Nous devons rencontrer Copa Uche. Je n'irai plus là-bas. Oh. Ne me force pas. Tu vas partir. Je n'irai plus. Tu vas partir. C'est par force maintenant. Je ne me force pas. Je n'irai plus, je te dis. Oh, Paul, comment vas-tu? Je vais bien. Tu vas bien? Il va très bien. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais bien en tout cas.
Mon frère, c'est l'argent que je cherche. Comme tu peux le voir, je dois chercher de l'argent. Et tu sais, je suis le seul homme à la maison. Et je dois travailler pour ma mère et aussi pour ma soeur. Hein? Je ne suis pas comme toi, tu es encore ton père. Qui prend très très bien soin de toi. Oui, tu as raison. Tu vois? Mais mon cher, tu es mon ami, non? Hein? Sens-toi libre de lui parler si tu as besoin de quelque chose. Oh, mon frère. Merci beaucoup, j'apprécie énormément. Peu importe, je comprends, j'ai entendu ce que tu as dit. Je dois rentrer à la maison pour me rafraîchir. Alors, je te verrai plus tard le soir. D'accord, nous parlons ce que nous allons rencontrer. Okay. C'est bon alors. Je viendrai chez toi ce soir. Okay, mon cher, d'accord, prends bien soin de toi. Ma soeur, ne te mets pas à pleurer, hein? Tout ira bien, ok? Continuons d'espérer. Oh. Tout ira bien. Priscilla, oh! Priscilla, apporte de l'eau, non? Mon frère, j'arrive. Ah! Mais pourquoi est-ce que tu as pressé de temps? Grand frère, commence d'abord par ça. Oui, vas-y, tourne le gars, tourne. J'ai vraiment faim. C'est vrai? Oui, non? Grand frère, sois rapide. La bonne nourriture dans cette maison. Quoi? Pourquoi est-ce que tu te plains, non? Pourquoi sois calme, un jour tout ira mieux. Vas-y, mets ça. Grand frère, tu dois acheter la rachide. On ne peut pas manquer la rachide aussi à la maison. Ne t'inquiète pas, c'est mangeable. Priscilla, mais c'est ma cuillère, non? Oh! Ah! Ah, grand frère, attends. Mais non, mangeons d'abord. Regardez-le. Maman. Regardez-le comment est-ce qu'il mange. Hein? Regardez-le. Ouyou! Fred, donc madame, pendant juste le peu de temps que j'avais quitté mon shop pour aller acheter quelque chose, tu es allé prendre les garis dans ma boutique à crédit? Mais voyez comment il mange. Demain, je paierai demain, s'il vous plaît. Ayez juste de la patience, s'il vous plaît. Fred, je vois que tu n'as pas du tout peur. Tu n'as pas seulement pris les garis, mais tu es allé plus loin. Tu as pris des cacahuètes et du sucre. Madame, s'il vous plaît, je paierai demain, non? Vous les mangez d'ailleurs. Hé! Hey. Fais-tu la fermer? Mais qu'est-ce que tu racontes? Dégage! Hein, Fred? Tu vas me payer demain? S'il vous plaît, madame, regarde, s'il vous plaît, je paierai demain. Tu n'as pas honte? Un homme comme toi n'a pas d'argent, tu prends les histoires à crédit. Hein? Dis-moi, tu n'as même pas peur des dieux? Madame, je vous paierai demain, non, s'il vous plaît. Idiote, dégage, qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu veux mettre la main ici dedans? Tu ne dois pas mettre ta main dedans. Si tu oses, ne tu lui faites pas ça, non? Qui va te payer ton argent après, non? Nous avons faim, mais non, tu veux qu'on fasse quoi? Tu n'as pas honte? Tu sais combien votre mère me doit? L'argent que votre mère me doit est assez pour que je vous achète une parcelle. Passez-moi une parcelle et construisez une maison. Pardon, ayez pitié de nous. Je vous paierai demain, madame. Que j'ai pitié de vous? Parce que je reçois les dons auprès d'une organisation caritative, c'est ça? Je vous paierai demain. Tu vois ce que tu as fait, idiote? Enlève tes mains. Madame, s'il vous plaît, vous allez tout finir, non? Mets-toi. Madame. Tu vas manger ça aujourd'hui. Ouvre la bouche, je t'ai dit. Ouvre la bouche, mange. Madame, s'il vous plaît, non. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Ce n'est pas bien. Fred, tais-toi. Parce que la façon dont je te vois, c'est comme si tu as une liaison avec ma fille. Je n'ai rien à voir avec elle, madame. Pourquoi est-ce qu'elle t'a donné tout ça à crédit à son chèque? Les histoires sont chères. Tu ne réussiras pas. Donc vous les mangez? Va, que je ne mange pas, c'est ça? Non, madame, s'il vous plaît, remettez-nous moi l'assiette, s'il vous plaît. Madame? Hey, mon Dieu, qu'allons-nous manger aujourd'hui? Hey, Priscilla, viens. Viens, s'il te plaît. Viens te mettre. Maintenant, moi, j'ai faim. Qu'est-ce qu'on va faire? Ne t'inquiète pas, je ferai tout pour trouver une solution. Viens d'abord te mettre, s'il te plaît. Priscilla, viens te mettre. Mets-toi. Hey, mon Dieu. Grand frère, je suis fatiguée de cette maison. C'est bon alors, que j'aille mes devoirs pour trouver une solution. Priscilla, ne fais pas ça. Ne te tue pas avec de l'eau.
L'argent est partout. L'argent, 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 l'argent. On a besoin d'argent pour faire des grandes choses. L'argent, l'argent. Je t'aime, l'argent, l'argent. J'ai besoin de beaucoup d'argent. L'argent, l'argent, l'argent. L'argent, 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 l'argent. L'argent. Ah, ah. Es-tu l'argent? As-tu l'argent? Hein? Tu as dit? Tu as dit? Tu es l'argent. Tu es l'argent que je cherche. L'argent, 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 mon destin. Destin, destin. L'argent, mon destin. Mon meilleur ami est l'argent. L'argent, c'est l'argent. Fada, 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 eh. Maman? Maman? Fada, Fada, eh. Maman, est-ce que ça va? Pourquoi m'appelles-tu maman? Je te connais. Je te connais. Si tu t'appelles l'argent, je te répondrai. Mais si tu t'appelles... Maman? Je répondrai pas. Maman, c'est Paul. Paul quoi? Paul... Hey. Je pensais que ton nom était riche parce que je cherche le genre riche. Hey. S'il te plaît, va-t'en. Maman. Je vais dormir. Quand tu trouveras l'argent, tu reviendras à m'appeler maman. Moi, hey. Moi. Regarde-moi ce garçon, il n'a pas d'argent. Oh. Eh ouais. Hey. Tu n'as pas d'argent. Hey. Priscilla, oh. Priscilla. Mais elle est où cette fille? Pourquoi est-ce qu'elle ne répond pas? Priscilla! Grand frère. Priscilla, dépêche-toi, non? Tu sais qu'on doit aller finir ce boulot. Qu'est-ce que tu fais à l'intérieur? Grand frère, tu sais que je suis une fille. Je dois très bien m'habiller avant de sortir. Tu vois? Je me demandais ce que tu faisais dans la maison. Si ce n'était pas qu'on devait partir ensemble, j'allais déjà partir depuis. Grand frère, je n'aime pas en parler. D'accord, allons-y, allons-y. Allons finir ce boulot. Hé! Hé! Il y a un problème, il y a un problème. Quel problème? Je viens de voir ta mère au marché. Ma maman? Oui. En train de danser pour les gens. Ah, la dernière fois que j'ai vérifié, maman n'était pas musicienne. Elle n'est même pas une comédienne. Elle est toujours là. Mais je t'ai dit que j'ai vu ta mère. Ah, ah, es-tu sûr? Ma maman. Je t'ai dit que j'ai vu ta mère danser pour les gens au marché. Je suis sérieux. Attends, es-tu sérieux? Oui, je suis sérieux. Si vous voulez encore, allons-y. Et partons ensemble. Allons la voir. Allons-y. Quand tu as l'argent, tout le monde te respecte. Et quand tu n'as pas d'argent... Maman? 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 Tu m'as vu? La voilà. Maman? 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 Qu'est-ce que tu dis? Maman? Vous voulez prendre mon argent? Maman? Maman, quel argent? Hey! Maman, regarde-moi ton fils. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous m'appelez maman? S'il te plaît, tu vas être humilié de même. Maman? Hein? Tu as maman, l'argent. Qu'est-ce que tu fais? Allô la maison. Mais si tu pas que quand tu n'as pas l'argent, tu seras totalement humilié. Maman, c'est ton fils. C'est ton fils ici. Maman, je suis venu. Oh, elle, c'est Priscilla. Maman, qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu. Bonjour. Vous êtes fou comme moi. Dis quelque chose. Dis maman, quelque chose. Maman, viens comprendre la maison, s'il te plaît. Je vais juste aller à la banque. Hey, maman, qu'est-ce qu'il y a? S'il vous plaît, venez, venez m'aider à transporter maman. Venez ici, mes amis. Venez nous aider. On rentre à la maison. Venez nous aider ici. Hey. Vraiment. Je dois mener maman à l'hôpital, non, s'il vous plaît. Aidez-moi. Aidez-moi à mener maman à l'hôpital, s'il vous plaît. Hey. Maman, 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 s'il te plaît, regarde. Fermez vos bouches, écoutez-moi. Maman, s'il te plaît. J'ai dit fermez vos bouches. Maman, s'il te plaît, non, pardon. Maman, s'il te plaît, allons à la maison. Ne me touche pas. Hey, mon Dieu. Mais qu'est-ce que tu m'as? Maman. Hey. Maman, qui t'a fait ça? Ah, this hey. Came back. I got no help. Non, maman, 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 tu ne peux pas me faire ça. Maman, nous sommes là, maman. Nous sommes là. Allez, maman, arrêtez de me toucher. Maman, ne nous fais pas ça. Ah, allô, mon Dieu, maman. Maman, s'il te plaît, je vais à la banque. Non, 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 non. On part à la banque, maman. Doucement, on part à la banque. Allons-y à la banque. Maman, pardon, maman. Oui, allons à la banque. La banque. Maman, la banque est de l'autre côté. C'est là-bas, maman, pas ici.
Allô, maman. Ok, je ne veux pas perdre mon temps. Laissez-moi là, la banque. Laissez-moi là, la banque. Laissez-moi là, la banque. Oncle, bonjour. Qu'est-ce qui se passe, hein? Oncle, tout ne va pas bien, oh. Ha! Ça ne va pas? Pourquoi? Je et qu'est-ce qu'il y a? Ma mère est revenue folle là-bas au village. Yeah. Devenir folle? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je ne sais pas. Elle est revenue de son voyage juste avec cette folie. Bon, où est-elle maintenant? Je ne sais pas. Oncle, elle est juste peut-être au marché du village. Oncle, on a besoin d'argent pour aller la prendre là-bas. L'argent? Et seulement l'argent? Oui, oui, monsieur. Tu sais ce qu'on doit faire? Non. Commence par partir, d'accord? Je te rencontre de l'autre côté. Oncle, je dis de partir, non? Je viens juste après toi. Regardez-moi ça. Regarde-la maintenant. Hé, hey, hey. Quand je lui avais demandé que quelqu'un puisse me les donner, de me donner la chose là, hein? Regarde-moi où elle est maintenant. Et est-ce qu'avec ça, tu aurais trouvé la folie? Non, je rentre. Non, je ne te viendrai jamais en aide. Oui. Je vais vous apprendre une chanson, alors écoutez-moi. On va chanter par derrière. Tournez. L'argent. Mais laissez-moi vous dire un secret. Je suis une folle. J'ai une chanson que je vais chanter. I'm going mad. Mad. All the time I try. I'm going mad. Je n'ai plus encore l'argent. Vous ne me donnez pas l'argent. Bye bye. Bye. Même une fois aussi des amis. Même une fois aussi des amis, même s'il n'a pas l'argent. Mais quand tu as l'argent, tu as des amis. Qui ne risque rien, n'a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, sans peine. Pas d'argent, plus des sangs et des tristesses. Sois prudente. Je suis venu juste te dire que... Je viens de voir la femme de ton frère. Yeah. Au village. Folle. En train de ramasser les histoires. Bien ici, Ebuka. Hein? Donc, tu n'as pas autre chose de bien à me dire. Tu n'as pas d'autre chose importante à faire. Hein? Regarde, et si seulement tu n'étais pas un homme titré, Makashi, je t'aurais fait autre chose. Non mais attends,
Est-ce vraiment la raison pour laquelle tu es ici? Hein? Est-ce que j'ai l'air de son père ou son frère? Hein? Je pensais que j'avais autre chose de plus importante à dire. Dégainé. Maintenant, mon frère, sors. Mais sors d'abord, hein, sors. Tu es comme mon meilleur ami. Tu sais, tu es ma meilleure amie. Est-ce que même c'est chamaillé? Je ne vais faire que ça chez toi, non? Ne veux-tu pas venir à ta maison pour... Si je t'apporte des informations, tu vas me donner le vin. Tu vas me donner le bayoko. Ok, que la foudre, ça batte sur toi. Tu veux que je t'offre quoi? N'importe quoi. Hein? Regarde, je pensais que j'étais parmi ces gens-là et qui parlent mal de moi. Pourquoi même? Pourquoi même? Tu es mon ami. Viens prendre quelque chose à manger. Viens d'abord. Est-ce que c'est le mayoko ou le mungu momo? Viens rapidement, tu ne fais que parler, toi. Je vais manger, Hey! Pang pang, allô? Y a-t-il quelqu'un ici? Allô? En quoi puis-je vous aider? Bonjour, demoiselle. Bonjour. Et s'il te plaît, je suis venu voir M. Priscilla. Et c'est sa maison? Je crois qu'il n'y a pas de problème. Non, il n'y a aucun problème. J'ai plutôt un colis pour lui. Un colis? Bien sûr. Ok, c'est moi, mademoiselle Priscilla. Voici le colis. Est-ce que je peux signer ici? Merci. Priscilla? Mon frère, tu es là? C'est qui cet homme qui vient de partir? C'est un homme de la poste. Un agent de poste? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu entends de cacher là? Tout ça, on le verra après. Allons d'abord dans la maison que je te montre. Viens. Qu'est-ce que tu caches? Viens d'abord voir. Ah, ah. Ferme cette porte. Tais-toi. Est-ce que tu veux que quelqu'un nous entende? Tu veux qu'il vienne voler l'argent? As-tu eu cet homme d'argent? Mets-toi et attends que je te dise, s'il te plaît, de crier. Non, je ne m'assois pas haut. Laisse-moi, je t'en prie. Mets-toi d'abord. Priscilla, mets-toi, attends que je t'explique. Mets-toi d'abord. Ouais, vas-y, explique. Où est-ce que tu as eu cet homme d'argent? D'accord, dis-moi. C'est bien, je vais t'expliquer. J'ai trouvé cet argent dans la ferme où j'étais allé travailler. Et qui peut emmener cet homme d'argent là-bas au champ? Vas-y, mon frère. S'il te plaît, dis-moi. Priscilla, je ne sais pas et je m'en fiche. Tout ce que je sais, c'est que cet argent est maintenant mien. Un autre? Oui, notre argent, oui. Et qu'est-ce que c'est que ça? Cet homme de la poste qui me l'emmène, mais je ne sais pas si c'est quoi. Laisse-moi voir.
Laisse-moi voir. Comment ça? Une bourse. Grand frère! Priscilla! Sais-tu ce que ça signifie? Tu viens de gagner une bourse? Ça veut dire que le gouvernement me prendra à charge jusqu'à ce que je terminerai mes études. Mon Dieu. Et cela veut dire que j'irai étudier à l'étranger. Ah, grand frère! Waouh! Au moins, on peut maintenant retirer maman de la rue. Oui, grand frère. Oh, mon Dieu. Merci énormément. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Merci. Finalement, tu as répondu à nos prières. Merci. Je te suis reconnaissant. Seigneur, merci. Grand frère, avant d'avoir regardé l'argent, nous allons d'abord, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, c'est notre argent, ne t'inquiète pas. Oh mon Dieu. Seigneur, merci beaucoup. Hein? Le gouvernement a dit qu'il prendra en charge mes études, mais pour ce qui concerne mes besoins, personne ne les prendra en charge. Comment je vais faire alors, grand frère? Je sais. Écoute, ne t'inquiète pas, Priscilla. Aussitôt que j'arrive en ville, j'échangerai les dollars. Oublie un peu tout le reste, je prendrai soin de tout. Es-tu sûr? Oui, fais-moi confiance, je suis sûr. Et pour la nourriture, hein? La nourriture d'aujourd'hui. Et je dois aussi apporter pour maman. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Eh mon Dieu, comment est-ce que nous allons faire pour ça? Ton amie Jen, elle est la seule option. Dis-lui juste de t'emprunter un peu d'argent. Et qui t'a dit que Jen a l'argent? Elle aura de l'argent, même si elle n'a pas d'argent. Sa maman va les lui emprunter. D'accord, essaie juste de lui parler, jusqu'à ce que j'aille changer cet argent. Elle est ta meilleure amie. Le grand boss. Le dieu des Lagos. Mirabel est là. Laisse-le entrer. D'accord, boss. Oh, boss. Mirabel. Comment vous allez? Et ça va très bien, merci. Et toi, ça va? Prenez place. Assieds-toi. Et très bien. Cheryl, prends place à côté d'eux. Très bien. Mirabel, c'est comment? Comment ça a été? Essaye de la mater. Très bien, elle est jolie. Elle est merveilleuse. Elle est bonne, très bonne. Je suis contente que tu l'apprécies. Et Chapiro, tu connais le nécessaire? Oui, boss. Donne-lui une de cola. D'accord. Et c'est quoi son nom? Anita. Anita. Et c'est pour moi la première fois que tu sois venu chez moi. Ok? Et tout le monde me connaît ici comme Donald Dollars. Oh! Et merci bon, beaucoup, ça. Monsieur. C'est ça qu'on appelle l'argent. Et Chadri, rentre à ta place et je t'appellerai quand j'en aurai besoin. Je suis contente que tu l'apprécies. Oui. Boss, oui, je t'ai parlé. Monsieur. Quel est ce cancre qui t'appelle? Est-ce que cette personne ne sait pas que tu changes avec le plus grand boss? Tony? Oh, voyons, je cause avec Dobdi. S'il te plaît, prends bien soin d'elle. D'accord? Et crois-moi. Je te fais confiance. Et tu parles déjà? Oui. Et hey, Chapari va prendre soin de toi. Oui, je te fais confiance. Appelle-moi. Anita? Oui.
Je reviendrai te récupérer. Ok? Alors, okay. Prends très bien soin de toi. D'accord. Mon garçon doit réserver quelque chose. D'accord. D'accord. Anita. Oui, monsieur. Ne m'appelle pas, monsieur. Ok? Et je m'appelle Donald. Oh, je veux que tu m'appelles Double D. Ok, Double D. Bien, tu sais, en entrée de jeu, j'apprécie ce que j'ai vu. Et je voudrais que tu me montres ta partie privée, d'accord? C'est exactement de ça que je parle. Et maintenant, va dans votre chambre et je te suis. Non, suis-moi. Hey, ma chérie, mon ami, ma chérie, où est-ce que tu pars? Je venais chez toi. Dieu merci que je te rencontrais. J'ai une chose qui demande ton aide. Mais avant ça, premièrement, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Une bonne nouvelle? Hey, dis-moi. Dis-moi. Parle. Ok, j'ai reçu une bourse pour l'Angleterre. Ah! C'est mensonge. Oui, oh, merci Dieu. Attends. Comment c'est arrivé? Je ne sais pas, j'étais surprise comme toi. En fait, je n'en revenais pas du tout. Professeur Uche, tu sais que deux fois, il me demandait de souscrire à une bourse. Attends, cette bourse que nous avons souscrit, Noudé, mais on l'a fait Noudé, bien sûr. Alors pour moi, cela veut dire que je n'ai pas réussi. Qu'est-ce qu'il y a? Aïe, je ne sais pas, mais sois juste heureuse pour moi, s'il te plaît. Je suis heureuse pour toi. Je suis très heureuse pour toi. Merci. Tu vas me laisser seule? Je veux revenir. Ah, t'inquiète, mon ami. Oh, mon ami. Ah, alors, tu m'as dit que tu as quelque chose à me dire. Oui. Quoi? Mon frère a dit si tu peux nous aider avec une somme d'argent pour préparer pour notre maman aujourd'hui. T'inquiète, d'ailleurs il a dit qu'il peut nous rembourser c'est demain. Attends, cet argent, j'allais l'utiliser pour moi-même, mais je vais toutefois attendre. Ta maman est très importante, elle est vraiment importante. On doit s'inquiéter pour elle. T'inquiète, je suis là pour toi, mon ami. Merci beaucoup. Oh, ne pleure pas. Ok, c'est bon. Allons-y. Ta maman est tellement importante. Allons-y, ça va aller. Sois forte. Merci. En tout cas, je n'arrive plus à... Comment est-ce que je n'ai pas pu retrouver maman? Je ne sais plus quoi dire. Hein? T'inquiète, vous allez toujours trouver une solution. Pourquoi tu t'inquiètes trop pour ta maman? Ah, elle ira mieux. En tout cas, ça t'inquiète pas si vous allez trouver une solution. Même pourquoi tu t'inquiètes trop? Je ne sais pas comment la retrouver. Trouver qui? Grand frère, bonsoir. Grand frère, salut. Comment? Oui, je te salue aussi. Mais de qui est-ce que vous parlez? Jen, d'accord, parle-moi. De qui est-ce que vous parlez? Priscilla, dis-lui. Priscilla, qu'est-ce qu'il y a? Priscilla, je vais vous rejoindre après. Je pars d'abord. Jane, Priscilla, parle-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas retrouvé maman. Je ne comprends pas. Ça veut dire quoi que tu n'as pas trouvé maman? J'ai cherché presque partout et je ne l'ai pas du tout retrouvé. J'étais partie lui donner la nourriture, mais je ne l'ai pas du tout retrouvé. Hey, tu sais quoi? Allons la chercher ensemble. Quand juste toi, allons la chercher. Je ne l'ai pas vue. Ne t'inquiète pas, nous allons la trouver. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, nous allons la voir. Allons la chercher cette fois-ci ensemble. Allez, je suis Ego. Et j'ai besoin de pouvoir. Les pouvoirs de surprendre. Les pouvoirs de dominer.
J'ai besoin de pouvoir pour régner et devenir le meilleur. Et jusqu'à la dernière de mes énergies. Plus de puissance, tu en auras. C'est où la nourriture? Priscilla. Grand frère, j'arrive. Oui, viens vite avec la nourriture. Tout est déjà arrangé. Vas-y doucement, ne t'éconne pas. Priscilla, là actuellement, faudrait que je retarde mon départ pour un moment pour que je prenne soin de maman. C'est ce que je crois. Alors tu dois aller en ville demain matin à la première heure parce que je ne veux pas que tu rates ton vol. Grand frère. Qu'est-ce qu'il y a? Je préférerais voir maman avant de partir. Je comprends très bien, ne t'inquiète pas, je prendrai très bien soin de tout ça. Hein? Mais, grand frère, penses-tu que c'est une bonne idée? Bien sûr, non, ça va bien marcher. Ah, tu ne veux pas partir? Si tu ratais cette opportunité, alors maman ne serait pas contente avec nous. Ok? Et, ne t'inquiète pas, je prendrai soin de tout. Mais... Mais quoi? Mais quoi? S'il te plaît, je suis affamé. Va me prendre cette nourriture. S'il te plaît, je suis affamé. Ça s'est déjà refroidi. Attends que je puisse chauffer. Apporte ça. Apporte ça juste comme ça. Oui, vas-y. Emmène ça juste comme ça. Essaie de bien regarder. Fais attention de ne pas te brûler. C'est bon. Priscilla. Priscilla. Lorsque tu vas arriver là-bas, j'espère que tu vas bien te comporter. Oui, grand frère. Je le ferai. S'il te plaît, ne copie pas les mauvais comportements. Ne va pas là-bas et ne permets pas à toutes ces filles de te corrompre. Grand frère, je ne peux pas rendre une telle. Ce ne sont pas de bonnes personnes. Je te fais énormément confiance. Grand frère, tu parles comme si je suis une telle personne. T'inquiète, je ne le ferai pas du tout. S'il te plaît, je te fais confiance. Et reste focus. Tu connais la raison pour laquelle tu pars là-bas. Oui, emmène la nourriture. Laisse-moi. J'ai quelque chose à ajouter ici. Oh mon Dieu. Oui, je prends soin de tout, ne t'inquiète pas. Pourquoi ne pas être triste? Tu vas me manquer. Moi aussi, tu vas me manquer. Mais tu sais, c'est quand même important que tu ailles là-bas. Alors, je veux que tout se passe bien. Et rappelle-toi toujours d'où tu viens. D'accord, grand frère. Crois-moi, je veux vraiment que tu sois une bonne fille. J'ai toujours été une bonne fille. Je serai fier de toi, sache-le. Paul? Oui? Il y a quelque chose dont je vais te parler. C'est demain que je vais en ville pour essayer de régler un problème pour mon compte. Et je veux vraiment que tu fasses quelque chose pour moi. Tu as toujours été mon frère et un ami pour moi. Tu sais que je peux tout faire pour toi. Merci mon cher. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Paul, c'est au sujet de ma mère. Je veux que tu continues à chercher ma mère pendant que je serai en ville. Et je vais appeler Amaka après demain. Afin qu'elle te passe mon numéro pour que tu arrives à me contacter. Par elle. Désolé. Amaka. Oui, Amaka. Tu parles de celle qui était au marché. Exactement. Ok. Je vais appeler aux environs de 14h. Alors s'il te plaît, je veux que tu sois là pour que nous arrivions à parler.
Pas de problème. Pas de problème. Merci, je serai là, je vais. Merci, non, non. J'ai vraiment apprécié. D'accord. Pas de problème. Pas de problème. Tu sais que je serai toujours là pour toi. Et tu peux compter sur moi. Et je vais voir de quelle manière je vais t'aider. C'est vraiment peu. C'est tout ce que je puis avoir. Que ceci ne se reproduise plus. C'est notre dernier avertissement. Plus il y a d'argent, plus il y aura le bonheur, la paix. Pas d'argent, plus de sang, plus de chagrin, plus de tristesse. Pas d'argent, plus de sang. Plus des chagrins, de la tristesse. Ah. Allô, ciego. Allô, ciego. Allô, ciego. Allô, ciego. Ijerejerewaska. Mon fils, allô ciego, je te salue. Je récite ton dernier sacrifice et je l'ai utilisé. Tu as tellement bien fait. Merci, allô ciego. Et une chose très importante, il y a quelques Chinois qui seront bientôt dans la ville. Et s'il te plaît, je veux qu'ils viennent signer ce contrat avec moi. Allô, ciego, aide-moi à accomplir cette mission. Est-ce que c'est tout? Oui, allô, ciego. Considère comme si c'est déjà fait. Merci. Allô, ciego. Yeah.
You're a lot of situations of life to put you to trouble. Oh yeah, life is better than what you think it is. Salut chérie. Allô grand frère. Comment vas-tu? Oui, je vais bien. Et comment les études là-bas? Ça évolue très bien. Ok. J'ai une surprise pour toi. Surprise? Oui. En ce moment que je te parle, j'ai maintenant un local de vente de voitures. C'est vrai ça? Oui. Es-tu sérieux? Oui, je sais que tu seras contente. Oui, je suis très contente pour toi, mon frère. Oui, alors comment vas-tu? Je crois que tu vas bien. Oui, grand frère, ça va. D'accord. Écoute-moi. D'accord, je vais te rappeler après, s'il te plaît. Oui, je vais te rappeler. Vous êtes les bienvenus ici, messieurs. Qu'est-ce que je vois? Attendez, Donald? Oh mon Dieu, c'est quoi ton nom encore? Non, essaie juste d'enlever tes... Donald, ce n'est pas Donald. Fred. Oui, Fred. Fred. Oh, Donald. Oh, Donald, mon ami. C'est comment? Comment tu vas? Je vais bien, tu as un merci joli. Merci mais beaucoup, merci. C'est quoi le point? Pourquoi tu n'as rien mis au pied? Ça, c'est une démarche naturelle. Oh, tu appelles ça démarche naturelle? Exactement. J'étais en balade allant quelque part. Je me suis arrêté ici pour voir prendre quelques deux véhicules pour mes bébés. Oui, tu es libre. Comme tu peux le voir, c'est ici que je vends de voitures. Tout cet endroit est à toi. Oui, oui, il m'appartient. Es-tu sérieux? Oui. Tu as très bien, mec. Oui. Tu as vraiment très bien fait. Si bon. Donald. Eh bien, tu vois, mec, nous sommes des très grandes personnalités. On ne parle pas beaucoup. Je peux le voir partout sur ton. Et spécialement quand il fait très chaud. Alors, je voudrais qu'on aille quelque part, qu'on se mette pour très bien causer, mec. Il y a quelque chose que je voudrais te faire part. Voilà une bonne idée. Nous devons vraiment parler. Donald! Fred! Mec! Donald! Content, mec! Content! Sometimes life can be mysterious. And sometimes it looks as if you're dying. Donald, nous sommes vraiment des frères. Je veux dire, ce n'est pas aujourd'hui que nous nous sommes connus. Je te jure, mec. Mais alors, pourquoi est-ce que tu me fais cette surprise? Tu m'as fait venir dans ta maison. Pas seulement dans ta maison. Maintenant, nous sommes dans ta chambre. Je suis vraiment reconnaissant pour ça. Et tu vois, mon ami, Fred, la vie est un voyage, comme je l'ai dit toujours aux gens. Et il y a des gens très spéciaux que j'ai rencontrés dans ma vie. Et parmi tous ces gens spéciaux, tu es vraiment l'un d'eux que je peux facilement inviter dans mon salon. Ça, c'est vrai. Est-ce que tu comprends? Parce que j'ai eu à comprendre une chose. Et je t'ai demandé de venir aussi partager mon salon. Parce qu'il y a une façon que nous, les riches, nous vivons. Hein? Nous ne nous comportons jamais comme tous ces jeunes hommes qui vivent dans des ghettos ou des gens qui se partagent des chambres. Donc tu comprends, nous n'avons aucun intérêt de vivre comme tous ces garçons. On est comme des hommes, vivant avec des très bonnes manières. Joey Zaza. C'est ça. Tu as compris, c'est de ça que je parle, c'est de ces montants qu'on doit y aspirer. Ok. Nous nous réjouissons pleinement de la vie parce que nous avons de l'argent. Le fait d'avoir beaucoup d'argent et de dépenser sans compter, c'est quelque chose de rien parce que cet homme devant toi, si c'est lui qui dépense de dollars. Voilà pourquoi on m'appelle Dagoti. On ne peut pas t'appeler comme ça si tu n'as pas de dollars dans ton compte. Donald. Exactement, mon frère. Alors,
Ce que tu es sur le point d'expérimenter, c'est le dernier virage de ta vie. Qu'est-ce que tu veux dire? J'aime cette question. Je ne comprends pas. Nous avons déjà tout fait. J'aime cette question. Raison pour laquelle j'avais dit tantôt que nous, les hommes riches, on aime notre façon de nous réjouir. Mm-hmm. Est-ce que tu comprends? Nous allons au club passer juste 10 minutes. Nous allons à un autre endroit, on fait la même chose et on se retrouve qu'il est déjà minuit. Mais ne t'en fais pas, j'appellerai mes hommes qui vont t'amener et certaines filles qui vont t'en jaillir ce soir. Ou quelques filles? Exactement. Mais quelle surprise! Vraiment. Mon frère, ça c'est la vie, tu sais, quand tu vis, il faut t'en réjouir. Donald. Ah, exactement. Tu ne dis rien? Laisse-moi appeler Shapiro. Viens. C'est vraiment une surprise. Entre. Lui, c'est mon garçon de course. Regis est là. Bon après-midi. Oh, les filles. très belles. Très belles. Lui, c'est le boss. Shapiro, tu fais un très très bon travail. Bonjour. Et tu fais un très bon travail, d'accord? Ne t'en fais pas, je vais te virer 500 000 naira, tu comprends? Et comme ça, tu vas t'en réjouir. Merci, boss. Tu peux maintenant partir. D'accord. Donald. Mec. Donald, c'est comment, mec? Tu sais, mec, ce n'est pas facile pour un homme d'ajouter les mots dollars sur son nom, d'accord? Et j'ai beaucoup de dollars, raison pour laquelle on m'appelle Double D. Oh, double D. Mec, comme je t'ai dit tantôt, il y a plusieurs façons qu'un homme peut se réjouir. Shapiro, regarde vite. J'avais oublié. Tu sais que nous avons de visiteurs. Alors, apporte-leur un peu de noix de cola. Sentez-vous à l'aise et faites comme chez vous. Allo Ciego, accorde-nous la vie, la richesse. Allo Ciego, c'est lui qui donne la vie et la richesse. Allo Ciego, il est déjà minuit. Ah, Luciego. C'est lui qui donne la vie et la richesse. Ah, Luciego. Il est déjà minuit. Mon fils. Mon grand fils. Ah, Luciego. Allo Ciego, avez-vous accepté mon sacrifice? Oui, je l'ai accepté, mon fils. Dès aujourd'hui, tu seras toujours le premier. Aussi longtemps que tu continues à faire tes sacrifices. Merci. Merci, Allo Ciego. Merci, c'est lui qui donne la vie et la richesse. Merci à Luciego. Allô? Alfred?
Comment vas-tu? Alfred, j'ai peur. Regarde, je viens tout juste de voir ta mère. Elle est folle en route. Hey, il faut que tu reviennes pour amener ta maman à l'hôpital. Elle s'est tenue juste devant moi. Et je n'aime pas ce qu'elle fait. Oui. Je sais, tu dois prendre soin d'elle, mais il faut que tu viennes, il faut que tu l'amènes à l'hôpital. Et tu connais bien ce qui lui dérange, hein? Il faut que tu viennes et tu l'amènes à l'hôpital. Oui. S'il te plaît, essaie de revenir. C'est qui est dans cette maison? Sortez! Qui fait des bruits comme ça? C'est moi. De quoi tu as besoin? Pourquoi est-ce que tu frappes la porte de cette manière? Où est-il? Qui? Ce meurtrier, il est qui où? Est cette maman dont tu parles? Tu me demandes? Pour ton information, ici c'est la maison de double dollar. Ne viens pas ici pour crier n'importe comment. Oh! Écoute, je veux le voir. Il y a quelque chose que... Il est où? Dis-lui de sortir ici, j'ai besoin de le voir. Hé, arrête ça.
si j'entends encore du bruit. Oh, veux-tu me tirer dessus? Tue-moi! Tue-moi, je suis prête! Je vais apprécier la gâchette. Tue-moi, je suis prête à mourir! Tue-moi! Tu vas bien? Je suis prête! Tue-moi, je vais mourir! Hey! Oh! Oh! Cette fille fait des bruits. Dieu est bon. C'est donc toi. C'est toi. T'es un meurtrier. T'es un assassin. C'est ce que tu es. Tu as tué mes filles. Hein? Tu as tué mes copines. Quand je partirai d'ici, je vais dire au monde que tu es un ritualiste. Je dirai à tout le monde que ton argent est ici du sang humain. Petite fille, nous sommes nous rencontrés avant. Est-ce que je te connais? As-tu pu voir cet homme avant? Comment oses-tu venir dans ma maison? Tu n'as même pas pitié de ta vie, tu viens là. Et chez moi, il est comme un dragon en train de cracher du n'importe quoi. Veux-tu mourir? Es-tu stupide? Tu veux me tuer moi aussi? Non, tue-moi. Laisse-la. Laisse-la. Tu es un meurtrier. Vas-y, tue-moi. Oui, tue-moi comme tu le fais. Tu sais, il y a plusieurs façons de finir avec ce genre de personnes. Et il y a une meilleure façon de finir avec des personnes folles comme ça. Et je t'enseignerai cette façon. Est-ce que tu as compris ça? Je t'avais dit de laisser ça. Je t'avais dit de laisser Elia. Se trouve l'argent, tu nous dois. Hein? Il est temps. Il est temps pourquoi? Oui, allô? Bien sûr, j'ai tout l'argent en espèces maintenant. Cher monsieur, je suis prêt à acheter ta propriété immédiatement. Bien sûr, j'ai l'argent ici avec moi. D'accord, pas de problème, je vais te rappeler. J'ai dit que je suis prêt à acheter ta propriété. Oui, ok. Quoi? Willias au lieu de Dilias? Qu'est-ce qui se passe? Que je rappelle encore cet homme. Quelque chose ne va pas. Prends l'appel. Oui, allô, gérant. Oui, je vais bien. Est-ce que tu avais mis tout l'argent dans cette mallette où j'ai gardé mon argent? Tu l'avais fait? Tu es sûr que tu l'avais fait? D'accord, attends que je te rappelle. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas vrai. Ah. Que je me change un peu d'idée. Quoi? Non. Ce n'est pas possible. Mais il y avait l'argent ici, non? Dans cette mallette. Je sais ce que j'avais vu, non? Mais il y avait l'argent dans cette mallette. Non. Non. Non.
mon téléphone sonne. Allô, Paul, mon ami. Paul. Paul, ne t'inquiète pas, non, hein? Ne t'inquiète pas, tu es mon gars. Bientôt, je te demanderai de m'ajouter ici en ville. Ce n'est pas ça. Ta maman vient de mourir. Quoi? Paul, ça veut dire quoi, ma maman est morte? Non. Paul, dis-moi juste que tu es en train de blaguer. Tu sais, je n'aime pas ce genre de blagues. Sérieusement, elle est morte. Comment? Je ne comprends pas. Comment va-t-elle mourir juste comme ça? J'en sais pas trop. Hey, Dieu! Ne t'inquiète pas, hein? Je viens au village très bientôt, aussitôt que possible. Ne t'inquiète pas, je serai là au village aussitôt que possible. Ok, d'accord. Ne t'inquiète pas, mets-les juste ici. Ok, boss. Je crois que tout est dedans. Oui, boss. D'accord. C'est qui m'appelle? Princilia. Princilia, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu en train de pleurer? Est-ce que tout va bien? Oui, c'est vrai. Et en ce moment même que je te parle, je me rends au village. Non. Princilia, tu ne dois pas faire ça. Allô? Ah, elle vient de couper l'appel. Je me demande juste ce qu'elle compte faire maintenant. Pourquoi tu m'as appelé urgemment? Je suis désolé, Lucie, de vous avoir convoqué, vous et toute cette confrérie, pour une petite réunion. Parce que le problème d'intérêt, vous y mettez urgentement attention. J'ai besoin de puissance, assez de puissance, pour manipuler mes futurs clients qui seront en ville dans peu de temps. Lucie, j'ai promis de tripler mon sacrifice, si ma demande est acceptée. Bien, considère que ce fait. Merci à Lucier. Merci à Lucier. Merci à Lucier. Donald, j'ai tout perdu. Je veux dire, je n'ai plus rien. Fred, je n'arrive toujours pas à comprendre ce que tu dis. Ou qu'est-ce que tu as perdu? D'accord, je vais t'expliquer. Les bateaux qui ont emmené mes voitures ont submergé. Et je ne sais quoi faire en ce moment. Et c'est pour ça que tu es paniqué? Donald, tu ne comprends toujours pas. Tu vois, lorsque ma mère était morte, j'étais allé au village. Et il fallait un peu d'argent pour la marchandise que j'avais commandée à partir de la Chine. Je leur avais demandé d'utiliser mon stand de voiture comme une hypothèque. Et en ce moment même que je te parle, je n'ai plus rien. Comme pour dire, je suis fini.
Fred, tu vois, tu n'as pas besoin de t'inquiéter par rapport à cela. Juste parce que tout ou tombe fort dans la vie, à un certain moment, il lui arrive de tomber. Mais si tu tombes et tu n'arrives plus à te relever, cela signifie que tu n'es pas destiné à être grand. Mais quand tu vois tout homme tomber, peu importe le nombre de fois qu'il lui arrive de tomber, et finit par se relever, la capacité que tu dois avoir d'élever et repousser cela fera de toi un homme fort. Qu'est-ce que tu veux dire? Fred, est-ce que tu crois en la nature? Bien sûr que oui. Et aussi, crois-tu au monde spirituel? Je ne comprends pas. Très bien. Si tu pourrais voir ce scénario de manière spirituelle, et tu remarqueras que depuis que tu es devenu proche de moi, tu as commencé à perdre certaines choses. Et tes affaires commencent à tomber, mais c'est pour ton propre bien. Tu sais pourquoi? C'est parce que de meilleures choses arrivent. Oui, tu sais, ces choses qui t'ont quitté ne sont pas destinées à t'appartenir. Alors, des très bonnes choses sont en train de venir. Si tu le dis. Il y a la lumière au bout du tunnel, Fred. Excuse-moi, permets-moi de prendre cet appel. Allô, Paul? Comment vas-tu? D'accord, je viens de te prendre juste là. Non, crois-moi, je viens de te prendre. D'accord, à tout à l'heure. Désolé pour ça. C'est mon ami Paul. En effet, Paul est en route pour la ville. Et il a besoin de mon aide. Il a besoin de mon aide. Paul, ton ami? Oui, il est mon ami. Tu vois ce que je disais? Comment vais-je l'aider maintenant? Fred, tu vois ce dont je parle. Et quelqu'un venant du village pour la ville afin de te voir, en quête de ton aide, de ton assistance. Et maintenant, c'est toi qui as besoin d'une aide. C'est pourquoi même je te parle en ce moment. Ok. Maintenant, tu vois. De toutes les façons, calme-toi. D'ailleurs, j'ai un peu de whisky et je t'en donnerai. Oh non, 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 non. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai besoin d'absolument rien. T'en as pas besoin? Qu'en est-il du jeu? Oh, Donald, c'est de l'argent que je parle ici. Oh, tu as besoin d'argent? Oui, bien sûr. Tu auras de l'argent au nom de Jésus. Amen. Mon fils. Aide-moi. 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 Maman? 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 Oh non. Don't allow situation of life to put you to trouble. Oh yeah. Life is better than what you think it is. Be careful what you do with your life. Maman. 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 Allô, ma chérie. Comment vas-tu? Je suis content que tu m'aies appelé aujourd'hui. Tu sais, ça fait longtemps que tu ne m'as pas appelé. Tu as dit quoi? Oh, j'ai eu un songe pareil la nuit dernière. Ne t'inquiète pas, je ne veux pas que tu sois dérangé, d'accord? Calme-toi d'abord, je dois juste essayer de découvrir ce qu'il y a au vrai. Oui, tout ira mieux, crois-moi. Crois-moi, ma sœur. Tout ira mieux. Concentre-toi sur tes études.
D'accord alors. Prends bien soin de toi. Mais es-tu sérieux là? Oui, je suis vraiment sérieux. Écoute mon frère, j'ai vraiment besoin de ça. J'ai besoin de ça pour... Stop. Shabiro. Boss. Et tu sais, il y a une ou deux choses que tu dois comprendre dans la vie. Tu n'as pas besoin de précipiter à la chose. Tu dois y aller mollo. Mollo, mon gars. Si je peux, qu'est-ce que vous faites comme ça? Donald? Ok, Donald, comme j'ai dit avant, j'ai goûté de la richesse. Et je suis prêt à faire tout pour que je la reprenne à nouveau. Alors s'il te plaît, je veux vraiment que tu m'aides, s'il te plaît. Ça c'est très mal. Tu sais, tout homme doit rester au top. Ou possiblement aller de l'avant. Hein? Je vais t'aider. Bien sûr que oui, j'ai mon frère et ami. Et pourquoi ne devrais-je pas t'aider? Je dois t'aider. Et aussi. Très mal. Et je verrai ce que je pourrais faire par rapport à la situation de ta maman déjà demain, d'accord? Bien sûr. Oui, exactement. Et tu vois. Tout grand homme comme boss, je suis un boss. Et voilà, ceux-ci sont mes hommes. Et il leur arrivera le moment qu'ils deviendront leur propre boss. Oh, ça sera oui. Bien. Ça sera vraiment. Donc, si tu veux être fortuné, merci si tu beaucoup. Veux avoir beaucoup d'argent, que quand tu es à Paris, tout le monde veut aller vers toi, que tout le monde ait cette volonté de t'approcher, et tout le monde veut s'affilier à toi. Alors, j'aurai à te présenter à mon boss. Ils deviendront leur propre chef. Wow. Oui. Oh, calme-toi. Tu n'es pas obligé. Quand on va, ça va bien se passer. Est-ce que tu as compris? AJ, apporte-lui quelque chose. Oh oh. Tu veux dire que tu veux me présenter à ton boss? C'est bon, je ne peux pas attendre de le rencontrer. Donald, content d'être avec toi. Boss! Non, c'est bon. Ça, c'est la dernière étape du processus d'initiation. Veux-tu devenir riche? Tu dois dormir dans ces cercueils ce soir. Wonkem. Que je tombe dans ces cercueils? La oui. Je ne comprends pas. Je ne peux pas dormir ici. Non? Donald, tu ne m'avais jamais dit ça? Fred, veux-tu être riche ou pauvre? Je veux être riche, oui. Mais tu ne m'avais pas dit que je dois dormir dans un cercueil? Non, je ne peux pas dormir dans un cercueil. En fait, je m'en vais, je ne peux pas. Jeune homme, un pas encore derrière, tu es mort. Hein? Ça devient sérieux. Maintenant, entre. Entrez. Oh.
C'est fait. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui se passe encore là-bas? Je ne sais pas. Ah, maman. Allô? Bonjour, garçon. Ah, je vais bien. Et comment tu vas? Je ne vais pas bien. Nous avons oublié de l'appeler. Mon cher, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Hein? Essaye de l'appeler si possible. Il n'y a pas moyen. Tu sais, je dois faire des va-et-vient juste pour chercher de l'argent. Comment évoluent les choses de ton côté? Ça va bien, j'attends la réunion. Loli nous a donné une condition, s'il te plaît. Ah, maman, cet endroit, c'est le paradis. En tout cas, tout rayonne ici. Et c'est vraiment une très bonne maison. Tu dois rappeler Loli pour le business, tu sais? Ah, vraiment? Non, il n'y en a pas. Mais crois-moi, c'est le temps. C'est le temps, et tu le sais. Je vais causer avec lui. Je vais essayer de les rappeler. Ne t'inquiète pas pour ça. Ma nourriture est prête. Prends bien soin de toi. Ah, mon cher, toi tu connais. Toi tu prépares très bien. Tu sais que ça fait longtemps que j'ai mangé ta nourriture. Ne t'en fais pas. Laisse-moi finir de cuire ces plats. Ok, merci, merci. Et prends bien soin de toi. Hein. Hey. Hey, Paul. Fred. Comment vas-tu? Bienvenue. J'espère que tu vas bien. Je vais bien, ouais, je vais bien. Alors, comment évoluent les affaires? Oui, ça s'est bien passé. Ah. Comme tu peux le voir, je suis vraiment fatigué. Tu as fait un long trajet. Il faut que tu te reposes. Je peux me reposer. Pourquoi ça affiche pas de signal? Tu n'as rien fait à cette télé? Je ne sais pas où. Ça s'est juste dégradé devant mes yeux. Oh, Paul. Je crois que tu ne sais pas la même chose. C'est okay. Bon, sinon. Ouais. Je suis en train de préparer la viande. Oh, tu as préparé quelque chose pour moi? Oui, mon cher. Waouh. Paul. Tu dois être fort. Qu'est-ce que tu as préparé? C'est vrai? Oui, vraiment. Wow. Mais je dois d'abord me reposer avant que je ne mange. Je suis vraiment fatigué. Uh-huh. Je vais dans la chambre. C'est bon, Paul. Relax, hein. Tout ira mieux. Et désolé. Une autre chose. Qu'est-ce que c'est? Polo, regarde comment tu ris. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je ne suis pas en train de te distraire. Mais tu sais... Paul, non, vas-y, parle. Qu'est-ce que c'est? C'est juste que j'ai besoin d'un nouveau téléphone. Celui-ci n'est pas bien. Paul, c'est vraiment archaïque. Tu as besoin d'un nouveau téléphone. Pas de problème, je te trouverai un nouveau. Ok. D'accord, merci, ne t'inquiète beaucoup. Pas. Accorde-moi un peu de temps, je te trouverai un nouveau. Que j'aille un peu me reposer dans la chambre. Bienvenue. Ah, Luciego. C'est lui qui donne le pouvoir et la richesse. Ah, Luciego. C'est lui qui donne le pouvoir et la richesse. Ah, Luciego. Enfin, le moment est arrivé. Allô, Ciego. C'est lui qui donne le pouvoir et la richesse. Allô, Ciego. C'est lui qui nous donne le pouvoir et la richesse. Allô, Ciego. Enfin, le moment est arrivé. Fred, c'est la dernière étape de l'initiation. C'est le moment d'Alou Ciego de prendre ce qui lui appartient et de te donner ce qui t'appartient. Es-tu prêt? Oui, je suis prêt. Paul! Lui, c'est mon meilleur ami. S'il vous plaît, ne le tuez pas, s'il vous plaît. Soit c'est lui qui meurt. Ou toi. Fais ton choix. Mais je ne suis pas encore prêt à mourir.
À Luciego, c'est lui qui donne le pouvoir et la richesse. À Luciego, c'est lui qui donne le pouvoir et la richesse. À Luciego, le moment est enfin arrivé. Thank you.
Bienvenue chez moi à la maison, Priscilla. Comment vas-tu? C'est ta maison? Oui, c'est ma maison. Et comme tu peux le voir, voici mes voitures. Ah, allons à l'intérieur. Grand frère, laisse-moi prendre mon sac. Non, viens, c'est bon. Maison vont tout prendre. Ne t'inquiète pas, oui, bien sûr. Ils vont tout prendre. Bienvenue chez moi. Je suis content que tu sois venu. Oh, grand frère! Oh, mon Dieu! Sentinelle! Sors-moi toutes ces choses dans la voiture. C'est bon, vas-y. Wow! C'est très merveilleux. Priscilla, tu aimes ce que tu vois, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Grand frère, je ne m'attendais pas que ta maison pouvait être très belle de la sorte. Mais c'est aussi que tu es fière de moi, n'est-ce pas? Je suis très fière de toi. Tu es la bienvenue. Je suis très contente que tu fasses beaucoup d'argent. Bien sûr. Oui, ça montre que je suis un homme fort. Parlons à propos. Tu n'es plus un petit garçon. Grand frère, tu es un homme. Oui, je sais que je suis un homme. Voilà pourquoi tu dois te marier. Mais marier? Je vais me marier, mais pas maintenant. Tu sais, le mariage n'est pas comme aller au supermarché se trouver quelque chose. Non. Ça doit couler. Ça doit vraiment venir du cœur. Tu vas bien maintenant? Grand frère, tu veux me dire qu'avec tout cet argent, tu n'as jamais vu une très bonne femme? Je dois d'abord trouver la bonne avant que je me marie. Et alors, Jane, ma meilleure amie, comment tu la trouves? Elle sera très bonne pour toi. Continue-tu de parler de Jane? Voyons, la dernière fois que j'ai vérifié, Jane aime l'argent. Et lorsque je n'étais qu'un simple pauvre dans ce village, elle ne m'a jamais aimé. Tu sais, elle n'a laissé aucun signe de vouloir m'aimer. Alors pourquoi parles-tu d'elle maintenant? D'ailleurs, tu sais qu'elle aime l'argent. Je sais qu'elle sera très bien. Alors, elle n'est pas de mon genre. Ok, c'est bien. Grand frère, montre-moi ma chambre, s'il te plaît. Bien sûr, tu dois vraiment te reposer. Va juste te reposer dans la chambre, d'accord? Mais, attends, il y a une chose dont je vais te dire. Tu peux utiliser toutes les chambres, les salons, la cuisine, partout, excepté ma chambre. Pourquoi? J'ai mes propres raisons. Ok, n'importe quoi pour toi. Fred. 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 Paul. Paul. Non. Paul, non. Paul, non. Grand frère. Hein? Priscilla. Que veux-tu par terre? J'étais juste en train de m'exercer. Je m'exerçais comme ça. Les exercices? Oui, Priscilla. Arrête de me poser de questions. Est-ce que la nourriture est prête? J'ai très faim. Je crois que j'ai une idée. Je crois que je dois aller tout dire au temple. Beaucoup de choses se passent dans la maison de mon frère. Chaque fois, j'entends de voix étranges dans la maison. Je n'arrive pas à le comprendre. J'ai un mauvais pressentiment pour mon frère. Rababo shenderebo sakatakata.
Papa, je me lève contre tout pouvoir maléfique, tentant nous faire du mal, Seigneur. Père, ta parole nous renseigne que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Larabrochatarebosse, mettons-nous en prière, mettons-nous en prière. Rikaboshandarabobo sakere, endebrositerebosakarababoshete, ondebrachara, ondekaribo santeremandebrochetterebosa, endebracharababosenterebosse. Seigneur, je recommande ta pitié sur ta famille. Je recommande ton amour et que ton sang se répandent sur cette famille. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Dans le nom puissant de Jésus. Jeune dame, il nous est renseigné que quand la fondation est détruite, à quoi servent les murs de l'élévation? L'œuvre du diable est en action dans cette maison. Que rien d'autre que la grâce, rien d'autre que la grâce salutaire que Jésus dira, oh non, le diable aurait pris la personne sur qui tout le monde compte, que tu es. Fille de Sion, tu ne devras pas dormir dans un soir. Assure-toi d'être affermie dans la prière. Assure-toi de pouvoir chercher le visage de celui qui est mort sur la croix pour te pécher, pour te sauver. Sois dans la prière. Il est interdit que tu dormes, parce que si tu dors, si je dors, le diable prendra possession de cette maison et toi, tu ne t'en sortiras pas. Ne dors pas, ne dors pas. Assure-toi d'être dans la communion divine, dans la louange, dans l'adoration. Et tu verras quelque chose de très étrange se passera. Reste en paix. Mais... que veux-tu dire par « je reste debout » ? Quelqu'un court après ma vie? Comment? Qu'est-ce que je fais? Grand frère, bienvenue. Oui, je suis de retour. Et c'est qui cet homme qui vient de sortir? Oh, c'était un pasteur. Je l'avais vu à la télé, alors je l'avais appelé de venir. Tu as donc vu ses numéros affichés à la télé et tu l'as récupéré et tu l'as appelé? Oui, c'est ce que j'avais fait. Mais tu devais au moins attendre que je revienne, non? Avant que tu ne l'appelles. Je suis très désolé, mon frère. Ok. Mais t'a-t-il dit quelque chose? Oui, il m'a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Non, il ne m'a rien dit. Priscilla, es-tu sûre qu'il ne t'a rien dit? Non, on avait juste prié, c'est tout. Ok, d'accord, c'est bon. C'est bon.
grand frère? Hein? Priscilla? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, rien. Ça va, je vais bien. Mais tu pleures. Non, je ne pleure pas. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, rien ne s'est passé. J'ai juste pensé à maman. Bien. Tout ça, c'est le passé. Et Shapiro. Merci. Pourquoi ne pas aller te débarbouiller? Oh, que je le fasse. Que je le fasse. À plus tard. Shapiro, tu es le meilleur de mes hommes. Nous avons travaillé depuis des années maintenant. Tu me connais très bien. Et tu sais ce que j'aime et ce que je déteste. Dagoudo de la bourse. Je sais que tu as vu bien de choses qui se sont déroulées dans cette maison. Mais non, écoute, Shapiro. Et tu dois te concentrer. Tu dois demeurer miroir. Quoi que tu aies vu. Oui, boss. Ou entendu. Et sauf ce toi, doit rester et mourir ici. Aucun d'eux né d'une femme doit entendre ça. Compris? Quel que soit ce que tu entends ou vois dans cet endroit, devrait rester et mourir ici. Aucune oreille, même si des filles, devrait l'entendre. Oui, boss, je ferai exactement ce que vous avez dit. Mais comment vais-je faire pour la gérer? J'espère qu'elle n'essaye pas de me lire par rapport à tout ce que j'ai pu lui raconter. Pourquoi? Alucier, go. Tes conditions sont juste très difficiles. Qu'est-ce que je vais faire? D'accord. Je crois que je dois essayer de la rendre heureuse. Question de laver sa tête. Après, je pourrai le faire. Hey, regarde un peu où ça m'a conduit tout ça. Mon ami Paul est mort. Je n'ai même pas de femme avec qui profiter de tout ça. Mais ce sont les mêmes conditions. Qui exige que je donne maintenant ma sœur? Vais-je continuer comme ça? Pas moyen de profiter de cet argent. Alucier, go. C'est lui qui donne le pouvoir et la richesse. Alucier, go. C'est lui qui donne le pouvoir et la richesse. Alucier, go. Le moment est enfin arrivé. Alucier, go. C'est lui qui nous donne le pouvoir et la richesse. Alucier, go. C'est lui qui nous donne le pouvoir et la richesse. Alucier, go. Le moment est enfin arrivé. That is why you are called Jehovah. That is why you are called Jehovah. What you say you will do, that is what you have done. That is why you are called Jehovah. Mais pourquoi est-ce qu'il m'avait dit de ne pas entrer dans sa chambre? There is nothing wrong here.
Fred, c'est le temps du sacrifice. Où est ta sœur? Priscilla? Non, non. Priscilla! Non, non. Non. Seigneur, je te recommande, mon frère. Priscilla! 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 Seigneur, peu importe où on m'a captivé, où mon frère, Seigneur, je viens, Seigneur Jésus, me libérer au nom puissant de Jésus. Aucune puissance de l'ennemi Satan ne peut me condamner. Priscilla! Au nom puissant de Jésus-Christ, mon frère est sauvé, je suis sauvé, toute ma famille est sauvée au nom de Jésus-Christ. Grand frère. Priscilla. S'il te plaît. Priscilla, s'il te plaît, je vais confesser. S'il te plaît. Tantine Betty. Elle est dans sa maison. S'il te plaît, appelle Tantine Betty. S'il te plaît. Pourquoi? Je crois que j'ai deux choses à lui dire. Ok, je l'appelle alors. D'accord. Mais avant ça, je dois d'abord appeler mon pasteur. Fred, confesse. Je vais confesser. Oui. Tantine Betty, Priscilla, j'avais tué Paul. Oui, j'avais tué Paul. Je vais confesser, s'il vous plaît. Oui. Le sang de Jésus. Je l'ai utilisé pour des rituels d'argent. Messieurs Fred. Oui, pasteur. Nous avons reçu la grâce pour que nous puissions être retournés dans le Seigneur. C'est vraiment ce que la parole de Dieu essaie de nous renseigner et dans ses écrits. Est-ce que tu comprends? Me suis-je fait comprendre? Grand frère, je crois que tu m'avais dit que tu avais ramassé une somme d'argent dans la forêt. Mais pourquoi est-ce que je devais tuer ton meilleur ami? Dis-moi un peu. L'argent était parti juste comme c'était venu. Hein? L'argent avait disparu. Juste comme ça. S'il vous plaît, Tantine, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai quelque chose à dire. Qu'est-ce que c'est? Au moment où ta mère était morte, c'est au moment où l'argent était disparu. Hein? Mais comment? Que veux-tu dire par là? Je vais tout vous dire, toute chose. Ayébola! Aïntamono Kaloukou! Emileo! Emi a wu je tin je sango eleni pe mo pe yi o e wa gbe bi laruge ani ran agbonrin ni je laloko ai tori pipo paja ai tori kikan pagbo ani kose ni ti la kose mo bere ase o. Eba n fashe si ase wa ase go ase wa wa wowo ejo romo ba n so fara bere igbe lo sun bi ba asun lodo mi pelu awon anjonu mi ba n so ma sœur. Baba dit que tu dois dormir ici avec les esprits. Ok, je le ferai. Dis-lui que je le ferai. Ce n'est pas un problème, je vais dormir ici. Baba, elle est d'accord. Bien, elle est d'accord. Très bien. Il y a une chose importante. Il y a une chose très importante qu'elle doit savoir. C'est ça. Baba, qu'est-ce qu'il y a? Alors,
explique-lui ceci, qu'elle sera folle pour un bout de temps. Mais écoute-moi. Silence! Cette femme sera folle pour quelques années. Elle va courir dans la rue. Hein? La folie va la suivre chaque jour. C'est alors que les esprits vont... Hein? Les esprits vont habiter en elle. Et c'est comme ça qu'elle aura l'argent que les esprits vont vouloir lui donner. Est-ce que vous avez compris? Je viens de finir de parler. Je ne suis pas le seul à parler des esprits. Vous avez compris? Après avoir été folle pour seulement 4 ans, c'est alors que les esprits vont réaliser leurs promesses en rendant tes enfants riches. C'est ça. Aide-moi, oh. Baba. Quoi? Dis-lui. Ma sœur, Baba a dit que tu deviendras folle pendant des ans, devant tes enfants. Et tu dois commencer à aller mendier de l'argent pour que ces esprits t'obéissent. Hein? Ma sœur, Baba a dit... Ma sœur... Parle-nous. Et tu dois mendier de l'argent chez 20 personnes par jour. Hein? Hey, Baba, plus vite que possible. Hein? Ne fais pas attendre tes enfants. Hein? Parce que si tu le fais, ça va continuer à se passer ainsi. Et tu dois le faire pendant 4 ans. Ok. Mais si tu contredis, ça ne va pas aller. Tu dois vraiment le faire. Après 4 ans? Oui, après 4 ans. Mais si tu ne réussis pas, hey, ma soeur, ça va causer ta mort. Hey. Hey, ma soeur. C'est bon. Hein? Mais je veux que tu lui demandes quelque chose. Puis-je aller en état folle dans le village de mon mari pour que mes enfants puissent me voir et qu'en retour, je puisse aussi les voir? Ma soeur, tu es d'accord? Je suis déjà là, je n'ai pas d'autre choix. Baba? Baba, oh. Je t'écoute. Elle demande. Elle peut se présenter folle devant ses enfants. C'est ce qu'elle demande. Oh. Elle demande si elle ne peut pas être folle devant ses enfants. Oh. C'est rien comparable à ce qu'elle aura. Hein? Elle va le faire devant tout le monde. Elle va le faire devant tout le monde. Et devant tout le monde, elle le fera. Une fois le faire et tout le monde la verra comme ça. Hein? Après cela, tout sera exaucé. Une fois pour toutes. Baba, ma soeur. Ok, c'est bon. Ne dis pas que ça va, je suis inquiète. Mais pourquoi? Ma soeur, je suis inquiète. Qu'allons-nous faire? Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Ma soeur, je suis tellement inquiète. Je ne sais pas. Ça ira, je te le jure. Oh maman! Maman! Hey! Maman, c'est ce que tu avais fait? Oui. Ma sœur me manque tellement beaucoup. Elle me manque tellement beaucoup. Mon unique sœur. Hey! Maman, je suis désolée. Je suis désolée, maman. Priscilla, je voulais te tuer. Oui, je t'avais presque tué. Mais tu avais emmené cet homme, ces pasteurs. Je voulais te tuer, mais ton pouvoir était très grand. Et tout ça grâce à ces pasteurs. Hein? Ton pouvoir a bougé notre temple. Ta seule sœur. Oui. Tu voulais tuer ta sœur. Oui. Grand frère, tu voulais me tuer. Je voulais t'utiliser pour augmenter mes pouvoirs. Pasteur, c'est ce que vous m'aviez dit autrefois. Fille de Sion. Les Écritures nous font comprendre qu'un homme charnel est dépourvu de la capacité de percevoir les choses de l'esprit. Je crois qu'ici, en ces lieux, je vous ai expliqué ce que cet esprit est capable de faire dans votre famille. Peut-être que vous m'aurez foutu hors de votre maison. Voilà pourquoi je t'avais dit de rester éveillé pendant toute la nuit. Grand frère, pourquoi? Pourquoi voulais-tu me tuer? Grand frère, dis-moi, pourquoi tu voulais me tuer? Dis-moi, qu'est-ce que je t'avais fait, moi? Ton pouvoir a secoué notre temple. Hein?
Fred, pasteur, fais quelque chose, s'il vous plaît, pasteur. Fred, 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 pasteur, fais quelque chose, Fred, 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 grand frère, Fred, oh mon Dieu, grand frère, pasteur, Fred, Fred, grand frère, s'il te plaît, Fred, pasteur, Fred. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Yeah.